À tous les amateurs d'extraordinaire et d'imprévu, à toutes celles et à tous ceux qui lisent le journal aussi pour y trouver des histoires, Pierre Véry et Maurice Renaud présentent « Faits divers », une émission réalisée par Pierre Billard. Vous pourrez entendre ce soir « L'assassin n'est pas coupable », une nouvelle radiophonique de Claude Jével, le concours « L'accident de la semaine » et le petit courrier des amateurs de mystère et d'aventure avec Germaine Beaumont et Roger Régent. Robert Murzeau et Sylvia Montfort dans une nouvelle radiophonique de Claude Jével, L'assassin n'est pas coupable. Oh, enfin, les bruits de sonnette est impossible, il faut mettre un mot. Mademoiselle, c'est Monsieur Baron. Il a l'air de ne rien savoir. Je n'ai rien dit. Je l'attends. Qu'il entre. Ah, tenez, épinglez ce papier sur la porte d'entrée. Prière de frapper. Oh, sa mademoiselle a raison. Ce coup de sonnette m'a fait sursauter. Dans ce silence de mort. Et pour cette pauvre madame, ça a dû être pire. Comment est-elle? Oh, pareil. Le docteur est auprès d'elle. Ah, voilà, j'ai trouvé ce que je cherchais, une punaise. C'est ce qui tiendra le mieux votre écriteau. Passez, monsieur. Entrez, Charlie. Comme je vous attendais. Dès votre téléphone, j'ai sauté sur mon scooter. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Saliroy. Eh bien? Mort. Qu'est-ce que vous dites? Assassiné. Cette nuit, ici. Oh, c'est pas possible. Son corps a déjà été emporté pour l'autopsie. J'ai eu recours à vous, car vous êtes son élève préféré, l'intime du ménage. Et Fabienne? Dans leur chambre, effondrée, amorphe. Comme insensibilisée par son désespoir. Tout ce que je sais, je l'ai appris de Rose, la domestique. En rentrant hier soir, Madame Saliroy a trouvé son mari avec un poignard en plein cœur. Elle a juste eu la force d'alerter la police. Depuis, une loque. Ils n'étaient pas sortis ensemble? Voyons, Charles, c'était mercredi. Vous êtes assez de la maison. Oui, c'est vrai. Le mercredi, soirée de bridge pour Fabienne, de cinéma pour le professeur. C'est à cause de cela que je vous ai téléphoné aussitôt. J'ai besoin de votre conseil, Charles. Je ne sais que faire. À quel sujet? Le cinéma. J'y étais hier soir avec Monsieur Saliroy. Vous? Oui. Au Palace, avenue des Ternes. On y donnait l'affaire des poisons, vous comprenez? Non. Monsieur Saliroy prépare un livre sur Madame de Maintenon. Ah oui, c'est vrai. Alors, je lui ai parlé de ce film dont j'avais lu le titre sur une affiche. Ça l'a amusé de voir en image l'époque dont il s'occupe. Il a décidé d'y aller. Et il m'a offert de m'emmener, moi qui vis aussi avec tous ces personnages. Oui, c'est la première fois que vous l'accompagnez au cinéma? Je vous le jure. La question se pose, dois-je le dire? Il n'en avait pas parlé à sa femme. Oh, par oubli ou par gaminerie plutôt que par cachotterie. Dangereux, ces gamineries d'hommes d'un âge mûr. Oh, Charlie, vous le connaissiez. Il était incapable de la moindre arrière-pensée. Mais le fait est là. Si je le révèle, ne va-t-on pas l'interpréter méchamment? Oh, probable. Il est certain que cette pauvre Fabienne va en être fâcheusement impressionnée. Monsieur Saliroy vous a quitté... Au métro. Vous n'avez rencontré personne de connaissance? Personne. Alors, qu'est-ce que vous me conseillez? Ce que vous souhaitez que je vous conseille, vous taire. J'avais besoin de votre avis. Bon, il va falloir que j'aille alerter le secrétariat de la faculté. Décider ce qu'on peut faire pour que cet affreux drame ne dégénère pas en scandale. Avez-vous lu les journaux de ce matin? Non, non, je n'ai pas pris le temps de les acheter. Je suis accouru tout de suite à votre appel. Pourvu que la presse ne soit pas déjà emparée de cette histoire. Ah oui. Notre cher Saliroy qui avait un tel souci de sa dignité. Mademoiselle, c'est la police.
Commissaire Fautral, mon adjointe. Henriette Rode, secrétaire dactylo du professeur Saliro. Charles Baron, chargé de cours à la faculté, disciple du professeur. Madame Saliroy. Le docteur est auprès d'elle. Ah. Du reste, je l'entends. Oui, le voici. Ah, vous êtes là tous les deux. Parfait. Fabienne a grand besoin de ses amis. Commissaire Fautral. Chargé de l'enquête. Oui. Je dois vous avertir, commissaire, notre pauvre amie a besoin d'être traitée avec les plus grands ménagements. Ah. Elle est encore sous l'effet d'un choc mental qui l'a anéantie. Oh oui, qui l'a anéantie, textuellement. Mmh. Elle en sort peu à peu, mais au fur et à mesure, sa douleur se réalise et l'assomme à son tour. Ah, c'est un cas tragique. Elle n'a répondu que par des monosyllabes à mes questions. Je ne crois pas qu'elle soit encore capable de répondre aux vôtres, commissaire. J'attendrai le temps nécessaire, docteur, soyez-en assuré. Merci. Étant donné la personnalité de la victime et sa réputation mondiale, j'ai été chargé d'une enquête plutôt officieuse qu'officielle. Ah, mais on connaît vos réussites, monsieur Fautral. Merci. Mon dessein est de procéder le plus discrètement possible, et si vous n'y voyez pas d'inconvénient, ici, sur place. Mmh. Plutôt qu'au commissariat ou au quai, où tant de curiosité nous assaille. Mais la presse n'est-elle pas déjà avertie? Notre communiqué qu'elle publie ce matin n'annonce qu'une mort accidentelle. Ce petit hôtel me semble pouvoir garder provisoirement son secret. Pas de concierge, la domestique... Oh, de toute confiance. Bon, je lui ai enjoint un mutisme absolu. Nous comptons sur vous, commissaire, pour sauvegarder la mémoire de notre maître. Je m'y efforcerai. Eh bien, mes enfants, je me sauve. Je repasserai après l'hôpital. Ah, jusque-là, aucune drogue, hein. Je connais Fabienne, son énergie, alors il faut laisser la vie reprendre en elle ses droits, n'est-ce pas? Alors, à tout à l'heure. Au revoir, docteur. Au revoir. Mais ne croyez-vous pas que le plus urgent est de prévenir le secrétariat de la faculté et de lui donner des consignes de silence? Oui, mais évitez les précisions. Parlez d'une chute. Et pour les obsèques? Oh, pas avant 3 jours, au cas où une analyse toxicologique serait jugée nécessaire. Un empoisonnement? L'arme du crime pouvait être empoisonnée. Mais au fait, vous la connaissez, mademoiselle. Une lame acérée à poignée faite de 2 serpents enlacés. Le coup de papier de Monsieur Saliroy? C'est en effet ce que déclare le rapport de l'inspecteur. Un cadeau de son grand ami, Monsieur Varmi Dreyfon. Le spécialiste de l'histoire des religions d'Extrême-Orient. Oui. Et le lui a rapporté de son dernier voyage aux Indes. Enfin, vous croiriez qu'un ancien poison... Ah, qui sait? Pour le moment, mettons les certitudes au point. Assieds-toi, Jacqueline. Ne vous étonnez pas de ce tutoiement, mon adjointe est aussi ma femme. Madame. Oui. J'ai là le rapport de l'inspecteur qui a procédé aux premières constatations cette nuit. Un petit gars très bien, qui connaît son métier. Donc, Madame Saliroy, en rentrant chez elle, a trouvé le cadavre de son mari écroulé devant son bureau. Là, hein, à peu près où vous êtes, monsieur Baron. Pas de sang, hémorragie interne. D'après les dires de la domestique, c'était une habitude pour les Saliroy de consacrer leur soirée de mercredi, lui au cinéma, elle au bridge. Oui, c'était... Cette différence de goût était d'ailleurs leur seule mésentente. Ménage très uni. Oh, exemplaire depuis des années. Mm-hmm. Fabienne n'était pas seulement la compagne de son mari, mais aussi sa collaboratrice. Et elle faisait la plus grande partie de sa documentation. Toutes ses après-midi, elle les passait à la Bibliothèque nationale. Sur quel sujet travaillait Monsieur Saliroy en ce moment? Une étude sur Madame de Maintenon. Et vous, mademoiselle, qui à titre de secrétaire assistiez à la vie quotidienne des Saliroy, vous partagez l'opinion de Monsieur Baron? Oh, entièrement. Ils s'adoraient. Ils ne se quittaient pas. Sauf le mercredi soir. Séparation bien innocente. Monsieur Saliroy allait au cinéma du quartier, le Roxy, qui était à 100 mètres. Et Madame Saliroy allait faire un bridge chez un collègue de son mari, Monsieur Varmi Dreyfon. L'indounisant. Oui. Et il se retrouvait ici. Oui. Monsieur Saliroy rentrait à pied. Naturellement. Naturellement. Oui. C'est à peu près tout ce que l'inspecteur a appris de la domestique. Elle a une chambre assez écartée au sous-sol, derrière la cuisine. Elle n'a rien entendu jusqu'au cri de Madame Saliroy et à ses appels téléphoniques. L'inspecteur conclut à un crime de rôdeur qui aurait suivi Monsieur Saliroy, ou de cambrioleur profitant de l'absence régulière des occupants et surpris par le retour de l'un d'eux. Oui, c'est probable. Mais ça le serait, oui. Ça le serait, si l'on pouvait expliquer qu'il n'y ait aucun désordre, ni dans la pièce du crime, ni ailleurs, et que rien ne semble avoir été dérobé. Mais alors? Ah oui, cher monsieur, alors? Notre mise au point n'est qu'une mise au point d'interrogation. Dommage que ni vous ni mademoiselle Rode ne puissiez me fournir le moindre indice. Enfin, je compte que vous chercherez. Un incident même d'apparence insignifiante peut être un point de départ.
Encore un point. Je crois qu'il serait temps que je file à la faculté. J'ai vu votre scooter en bas. N'allez pas trop vite. Merci. Voulez-vous, mademoiselle, que nous fouillions ensemble dans votre mémoire? Ne vous rappelez-vous rien? Par exemple, un domestique renvoyé. Rose est ici depuis des années. Une clé perdue? Pas que je sache. Un candidat malheureux qui regarde des rancunes à son examinateur. Monsieur Saliro a été si bon, si indulgent, si compréhensif. Oui, bien sûr. Vous aimiez beaucoup votre patron. Plus on travaillait à ses côtés, plus on s'attachait à lui. Vous lui serviez de secrétaire depuis... Depuis 2 ans, bientôt. Et Madame Saliro ne s'inquiétait pas de cet attachement grandissant? Et pourquoi s'en serait-elle inquiétée? La présence constante d'une jolie fille. Madame Saliro est bien plus belle, bien plus séduisante que moi. Et puis, elle n'ignore pas que je suis fiancée. En ce cas... autre chose. Mais c'est un vrai interrogatoire. Amical. Ce coupe-papier, l'arme du crime, pouvez-vous me préciser la place où il était d'ordinaire sur ce bureau? Oh, facilement. Sa poignée... Les deux serpents? Oui, sa poignée était très lourde. Monsieur Saliro s'en servait aussi comme presse-papier. Je le mettais là sur la pile de feuilles blanches qu'il gardait toujours devant lui, à portée de la main. À portée de la main d'un autre, hélas. Et bien en vue. Hier, vous avez quitté le professeur vers... Vers 6 heures, comme d'habitude. Et de toute la journée, vous n'avez rien remarqué de spécial dans son attitude? Non, rien. Il n'a pas fait allusion à une sortie, à un rendez-vous. Un souci même extra-professionnel. Henriette. Je ne vois pas. Oh, pardonnez-moi, j'entends Madame Saliro. Henriette. Voici Madame. Vous écoutez, je peux lui parler. Mystère Radio. Hein? Qu'en penses-tu, Jacqueline? Pas commode, n'est-ce pas? Eh non. Rien pour s'accrocher. As-tu reniflé quelque chose? Non. Pas plus que moi. Tout paraît simple. Trop simple. Oh, ça doit être pour moi, ça. Permets, chérie. Le laboratoire. Allô, oui? Mais oui, ici Fautral. Alors, aucune empreinte. Bien. Et l'heure? Environ 11 heures. La digestion était finie. Merci. Je m'excuse, madame, je me suis permis. J'avais demandé qu'on me donne une réponse par téléphone ici. Mademoiselle Rhodes m'a dit que vous désiriez me parler. En effet, si votre état de santé... Que pourrais-je vous dire? Le choc devant cet affreux spectacle a été tel que tout s'est brouillé dans ma tête, oui. C'est ça, un brouillard. C'est normal. Et je m'en voudrais d'ajouter à votre fatigue et à votre douleur. Posez-moi vos questions, si je puis y répondre. Elles sont très simples. Quand vous êtes rentrée hier soir, il était... Mais... Comme d'habitude. Sans doute vers 11h, 11h30. Nos amis Lafarge, vous le confirmeront. Ce sont eux qui vous ont reconduite. Oui. Mais comme d'habitude. Comme tous les mercredis. Et en entrant, vous n'avez rien remarqué d'anormal? Un bruit, un pas? Non, rien. Seulement, je vous répète, la stupeur, l'affolement pu effacer. Bien sûr. Une dernière question, madame. Monsieur Saliro n'avait rien précisé sur l'emploi de sa soirée? Oh, je ne m'intéressais pas plus à son cinéma hebdomadaire que lui à nos séances de... De... Oh, excusez-moi, malaise. Je vous en supplie, madame. Venez vous allonger, le docteur a bien recommandé. Oui, je vous reverrai, monsieur. Oh, qu'une telle monstruosité ne reste pas impunie! Je ferai l'impossible. Venez, madame. Et pas avancer d'un pas. Je crois, Jacqueline, que j'ai aussi bien fait de ne pas me lancer dans des promesses trop précises. Ah, mademoiselle Henriette n'est pas là? Il y a une jeune dame avec un gros bouquet de violettes qu'elle veut déposer sur le corps de ce pauvre monsieur. Moi, consigne. J'ai rien dit. Amenez-la ici. D'accord. Si je l'ouvre, j'ai peur de gaffer. Je vous enverrai directement tous les questionnaires. Entendu. Vous connaissez cette personne? De vue, oui, c'est la buraliste du Roxy. Le cinéma de la rue. Ah, bon. Entrez, madame. Mademoiselle. Pardon. Oh, je ne veux pas déranger. Je voulais seulement apporter ces quelques fleurs à ce pauvre monsieur.
Posez-les sur ce bureau. C'est là qu'il travaillait. Ah, quand j'ai lu dans le journal qu'il n'était plus, ça m'a donné un coup. Mais à dire vrai, ça ne m'a étonné qu'à moitié, vu que je ne l'avais pas vu hier soir. Comment, il n'est pas venu à votre cinéma? Non. Et c'était surprenant. Surtout que c'était un western, ce qu'il préférait. Mm-hmm. Oh, ça m'avait fait drôle. C'était un de vos bons clients. Mon meilleur. Ponctuel, assidu, depuis des mois. Pff, qu'est-ce que je dis? Des années. Et toujours un mot gentil. Il arrivait de bonne heure pour me faire un brin de causette. De cours aussi, peut-être? Oui. Oh, grand Dieu, non. On était devenus une paire d'amis. Ça me flattait. Un homme si bien, avec la rosette. Ça se voyait tout de suite qu'il y en avait dans sa tête. Même qu'on en riait dans le personnel. Car il oubliait toujours quelque chose. Son foulard ou ses gants. Et régulièrement son ticket d'entrée. Même que j'avais dû lui apprendre pour ne pas le perdre, à le glisser dans le ruban de son chapeau. Le cher homme. Mais je m'incruste. Excusez-moi, monsieur. Au revoir, mademoiselle. Madame Seliaroua sera très touchée de votre pensée et de vos violettes. Vous retrouverez le chemin. Mais oui. Merci, monsieur le dame. Ah bah tiens, la dame a disparu. Ah oui? Où étais-tu, Jacqueline? Ce chapeau, qu'est-ce que tu veux que je fasse de chapeau? Ah, je comprends. Le ruban, oui, on ne sait jamais. Et la preuve, un ticket daté d'hier. Palace. Étrange dérogation à sa vieille habitude. Oh, mais attends, pas un ticket, deux tickets. Qu'est-ce que ça signifie? Regarde donc dans un journal au programme. Tu y es? Bon, qu'est-ce qu'on donne au Palace? Tu dis l'affaire des poisons? Ah ben oui. Voilà qui était fait pour attirer l'historien de Madame de Maintenon. Tout s'explique, sauf les deux tickets. Monsieur le commissaire, Madame Seliaroua me demande de lui faire quelques achats urgents. Puis-je m'absenter? Certainement, certainement. Et pourtant, une seconde. Êtes-vous bien certaine que Monsieur Seliaroua n'a pas fait allusion hier à un projet pour sa soirée? Je vous ai déjà répondu. Cherchez bien. Je crois que si vous cherchez... Je vous assure, monsieur... Ne vous troublez pas. Et regardez ces deux tickets. Le Palace, l'affaire des poisons. Ça ne vous dit rien? Eh bien, oui, c'est vrai. J'ai accompagné monsieur Seliaroua hier soir. Mais c'est tout naturel. Le sujet intéressait aussi la secrétaire de l'historien. Et pourquoi l'avoir caché? Pensez aux hypothèses qu'un tel mensonge peut faire naître. J'ai craint que Madame Seliaroua... Bien sûr, bien sûr. Et l'ennui, c'est qu'on peut imaginer que vous avez accompagné Monsieur Seliaroua ici, à la sortie du cinéma, et que, profitant de votre solitude... Je vous interdis de salir la mémoire. Mais hypothèse, chère mademoiselle, simple hypothèse. Entre bien d'autres. Ne m'avez-vous pas dit que vous étiez fiancée? Justement. Si je suis fiancée... Mais admettons que votre fiancé ait appris cette escapade, qu'il ne l'ait pas trouvée à son goût, qu'il ait guetté le retour de M. Seliaroua, et qu'alors une altercation... C'est François maintenant que vous soupçonnez? J'imagine, simplement. Pouvez-vous joindre ce monsieur François? Aux archives où il a son service. Priez-le donc de passer me voir dès qu'il pourra. Je puis lui téléphoner d'ici. Mais non, même au téléphone, des fiancés préfèrent le tête-à-tête. Allez, mademoiselle, et ne mentez plus. Je vous déteste. Tu hoches la tête, toi, Jacqueline. Eh oui. Ouais, je ne crois pas non plus que la piste soit très solide. Ben, ça vaut bien le cambrioleur qui ne cambriole pas et le rôdeur qui s'évanouit sans laisser de traces. Tu ne trouves pas? Voilà, monsieur et madame Lafarge. Monsieur? Commissaire Fautral et mon adjointe. Comment? La mort de Seliaroua serait... Un crime, hélas. Un coup de poignard en plein cœur. Oh, c'est incroyable.
Pauvre Fabienne, mais dans quel état elle doit être? Anéantie. On serait à moins. Oh, quelle soirée. Après deux réfonds, Saliroy. Vous dites, madame? Ma femme fait allusion à un petit malaise qu'a eu monsieur de Réfond avant notre départ. Oui, on finissait juste la séance. De bridge. Monsieur de Réfond a eu comme un étourdissement. Et sans doute s'était-il trop passionné. Ça... C'est un joueur enragé. Mais je suis sûr qu'il s'est remis très vite. Oh, tu n'étais pas si rassuré, puisque tu as tenu à alerter sa concierge. Je lui ai simplement dit de monter voir si de Réfond n'avait besoin de rien. Lui sert de femme de ménage. C'est bien naturel. Du reste, tout ceci n'a pas d'intérêt pour Monsieur Fautral. Si, si, tout m'intéresse. Puis-je voir Fabienne? La faculté a interdit toute visite. Oh, la consigne n'est pas pour moi. Non. Non, je compte même sur vous pour lui tenir compagnie et faire barrage pendant que je vais être forcé de m'absenter. Je ne la quitterai pas. Merci. Jacqueline, veux-tu appeler Rose? Il faut qu'elle nous donne l'adresse de ce Monsieur Dreyfond. Quoi? Tu l'as cherché. Oh. De Réfond 102 rue Comartin. Bravo. Tu es unique. Filons là-bas. Monsieur Vermi de Réfond, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous lui voulez? Le voir. Ben, fallait vous lever plus matin. Il est sorti? Il paraît. Quand doit-il rentrer? Ah, ça sera pas encore demain. Il est parti? Oh non, mais ça va durer longtemps, vos comment et vos pourquoi? Police. Minute. Que je la voie de près, votre carte. Oh, excuse, c'est différent. Asseyez-vous. Et la petite dame aussi. Assieds-toi, chérie. Monsieur Dreyfond a été souffrant cette nuit. Ah, vous savez ça? Oh, rien du tout. Il était déjà sur pied quand je suis montée. Une tasse de tilleul, il ne paraissait plus. Mais dites, il lui est rien arrivé de mauvais au moins à mon patron? Non, 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 rassurez-vous. J'aurais à lui demander quelques renseignements concernant une affaire et où il n'est pour rien. Ah, bon. Monsieur Dreyfond a reçu des amis hier soir. Ben, comme tous les mercredis, toujours les mêmes. Et il est parti ce matin à l'improviste. À l'improviste? Ah, je peux pas vous dire. Mais le fait est que s'il y a eu quelqu'un d'étonné quand il est descendu avec son pardessus de voyage et sa valise, c'est votre servante. Il ne vous avait pas prévenu? Je lui ai monté comme tous les jours son café au lait et son journal. Il lisait toujours l'un en prenant l'autre. Pas un mot. Une heure après, le voilà qui me dit de garder son courrier, qui m'enverrait son adresse et que j'aille chez lui de temps en temps. C'est curieux. Ma foi, peut-être trouverai-je chez lui les renseignements que je désire, comme vous avez la clé. Eh ben, la voilà. Puisque vous êtes de la police, c'est au troisième. Et je vous accompagne pas, hein. J'ai mon boulot. Non, vous dérangez pas. Eh, curieux ce départ. Oh, belle installation. Pouah, ça empeste les mégots froids comme dans un simple bureau de la PJ. Oui, des cendriers pleins partout. C'est ici le salon. Dis donc, Jacqueline, regarde, au milieu de la pièce, ce petit guéridon à trois pieds. Drôle de table pour un bridge. Comment faisait-il pour tenir à quatre? Étonnant, surtout que contre le mur, sous la glace, avec un tas de revues dessus. Tu vois? Une véritable table de jeu pliante. Oui, là où tu es. Qu'est-ce que tu me montres? Ton index, couvert de poussière. Chère Jacqueline qui déteste le ménage mal fait. Ouais, curieux. Longtemps qu'on n'a pas déplacé ou utilisé cette table. Tu peux baisser ton doigt accusateur, j'ai compris. Et voici le bureau du maître. Bien rangé, ma foi, livre d'un côté, dossier de l'autre. Jette un coup d'œil, veux-tu, sur les dossiers? Je ne pense pas que tous ces bouquins nous apprennent grand-chose. Tiens. Curieux. Écoute ces titres. Bouddhisme et réincarnation. Le yoga tibétain et ses doctrines secrètes. Médium et spirit. Et toi, quelle découverte as-tu faite? Cette chemise vide. Ah, oui. Elle est marquée d'initiales. Fa
Faes, Fabienne Saliroy. Curieux. Vide. Vide ou vidé? Jacqueline téléphone chez Madame Saliroy, demande Madame Lafarge. Et dis-lui que nous sommes de retour dans, mettons, une heure. Et que je désire lui parler à elle seule. Insiste bien, à elle seule. Comme ça, si le mari est là, je serai fixé. Ah, Monsieur Lafarge, vous êtes là. J'avais dit désirer parler à Madame Lafarge seule. Ah oui, mais comme je suis revenu la chercher, j'ai cru que... Vous aurait-elle appelé au secours? Je ne vois pas contre quelle menace. Celle d'une réponse maladroite. Mais rassurez-vous, vous n'avez plus rien à craindre. Nous sortons de chez Monsieur Vermilrefond. Et il vous a avoué que... Irène. Oh, c'était inutile. Le petit guéridon au milieu du salon, les titres des livres sur son bureau en disaient assez. Mais c'était tout naturel. Je vais vous expliquer, monsieur. Voyons, mon chéri, le commissaire a raison. Pourquoi lui cacher plus longtemps la vérité? Je me le demande. Eh bien, voilà, commissaire. Depuis quelques semaines, nous avons en effet remplacé notre bridge par des séances de spiritisme. Vous voyez que c'est bien anodin. En effet. Et cela remonte à... Je vais vous dire. Au soir où nous avons été à l'Olympia assister aux expériences du grand Albert, le magnétiseur. Je connais. En effet, Madame Saliroy s'y est révélée un médium étonnant. Oh, vous ne vous doutez pas, commissaire. Formidable. De Refond, de par sa spécialité, s'est toujours intéressé aux sciences occultes. Alors? Et justement, il... Mais laisse-moi parler. Alors, il nous a proposé d'utiliser ce don de Fabienne pour des expériences. Bon, entre nous, strictement entre nous. Je vois. De Refond a surtout craint qu'il interdise à Fabienne d'y participer. Bien sûr. Eh bien, voilà, vous savez tout, monsieur Fautral. La séance d'hier soir a été réussie. Justement, il y a eu du tirage. Du tirage. Mais enfin, ma femme veut dire par là que Madame Saliroy s'est montrée d'abord rétive et puis très nerveuse, agitée. Oh, c'est surtout que Monsieur de Refond essayait de la faire parler sur ses vies antérieures. C'est la mode. Exactement. De Refond, adepte des théories théosophiques de la réincarnation, pensait les voir ainsi confirmées, voyez-vous. Cette pauvre Fabienne a dû en connaître de pas drôles. Peut-on savoir? Oh, mais enfin, rien qui ait rapport avec... Mais voulez-vous laisser, je vous prie, Madame Lafarge, répondre? Oh, puis quoi, Robert, c'est du passé tout ça, alors? Bien sûr. Donc voilà, Fabienne s'est rappelée qu'elle aurait été cantinière dans l'armée de Crimée. Ce n'est pas bien méchant. Oh, mais attendez, c'est pas tout. Sous la Révolution, elle aurait été mariée à un notaire de Dreux. Ça, c'est pire. Et elle aurait été guillotinée. Ça aussi. Le professeur avait beau insister, il n'arrivait pas à faire remonter Fabienne plus loin dans son passé. Ah, et voilà qui explique l'agitation de Madame Saliroy. Sans doute est-ce cette agitation qui a contraint M. Dreyfond à une tension d'esprit plus grande que d'habitude. D'où son malaise. C'est probable. Au fait, comment l'avez-vous trouvé ce matin, le cher homme? Mais justement, oui. Madame, je ne l'ai pas trouvé. M. Dreyfond est parti en voyage. En voyage? Comme ça? Comme ça. Oh, ça, c'est stupéfiant. Et sans rien nous dire, c'est incroyable. En effet, madame, un départ brusque ressemble toujours à une fuite. Il y a un monsieur François Laurier qui demande le commissaire de la part de mademoiselle Henriette. Qu'il vienne. Vous n'avez plus besoin de nous, commissaire? Absolument plus, madame. Bien, monsieur le commissaire, nous restons à votre disposition. Je vous remercie. Vous m'avez convoqué? Vous savez sans doute à quel sujet. Henriette m'a mis au courant. Heureusement, mon alibi est... Oh, convoqué, alibi, voilà de bien grands mots. J'essaie seulement d'éliminer le plus d'hypothèses possible. Alors? Dites. J'accompagnais hier soir ma mère à l'opéra, la représentation des Indes galantes. Parfait. Vous connaissez Monsieur et Madame Saliroy? Peu. J'ai suivi autrefois les cours de Monsieur Saliroy à la Sorbonne. Ah. Quant à Madame Saliroy, je ne l'avais jamais vue jusqu'à... jusqu'à vendredi dernier. À quelle occasion? Madame Saliroy est venue me demander aux archives où elle désirait travailler. Je sais, je sais. Elle préparait la documentation du livre de son mari sur Madame de Maintenon. Qu'y a-t-il? Oh, ça n'a sûrement aucune importance, mais j'avoue que j'ai été assez surpris. Tiens. Ce que Madame Saliroy désirait consulter, c'était la série PH de notes du tribunal révolutionnaire. Curieux. Puis-je voir ce dossier? C'est facile.
Alors nous serons aux archives après le déjeuner, vers 14h. Ça n'est pas trop tôt? Du tout. J'aurais fait descendre l'alias. Mon assistante la dépouillera. Je vous demanderai de l'installer dans un coin à l'écart. Elle est très timide. Alors, Jacqueline, as-tu trouvé? Merveilleux. Oh, monsieur, c'est magnifique. Timide et modeste, tu es unique. Remarque, je pensais bien que tu trouverais sans trop de mal. Avec ces vieux papiers, les liasses s'ouvrent souvent d'elles-mêmes là où elles viennent d'être spécialement consultées. Tu as pris une copie? Parfait. Voyons. La dame Escorbie, originaire de Dreux, arrêtée sur lettre la dénonçant, jugée le 16 avril 1793, condamnée à mort. C'est bien ça. Ma visite à l'Institut médico-légal n'a pas été non plus inutile. J'ai vu le cadavre de ce pauvre Salirois. Ah, j'oublierai pas de sitôt le regard. Comment dire? Pas épouvanté, non? Non, stupéfait. Oui, c'est ça, stupéfait. Presque souriant. Comme s'il avait cru à une blague jusqu'au dernier moment. Jusqu'à son dernier moment. Allez, descendons. Tu vas prendre le volant. Nous allons à Dreux. Pourvu que les archives notariales n'y aient pas été détruites. Je suis à votre disposition, commissaire. Voici, maître. J'aurais besoin de quelques renseignements sur un de vos prédécesseurs. Les archives de l'étude vous sont ouvertes, et je peux vous assurer, avec une certaine fierté, qu'elles sont classées avec le plus grand soin. J'y ai mis moi-même la main. C'est qu'il s'agit d'un de vos prédécesseurs assez lointain. Jusqu'au XVIIe siècle, vous pouvez y aller. C'est plus qu'il ne m'en faut. Il s'agit de maître Escorbie. Escorbie? Bien sûr, mais qu'a-t-il donc pour soulever une pareille curiosité? Vous voulez dire que... Et que je n'ai aucun mal à vous satisfaire. J'ai eu à procéder tout récemment à une enquête à son sujet. Vraiment? Et elle m'était demandée par un éminent historien que vous connaissez peut-être, le professeur Varny de Réfond. Ah... Voyons, il s'agit bien d'un Escorbie dont la femme a été guillotinée. C'est cela même. Eh bien, je crois avoir pu reconstituer en gros leur histoire. Le mari s'est remarié tout de suite après la mort de sa femme. Ou une maîtresse, probablement, qui attendait la place. On a tout droit de supposer que cet Escorbie qui s'est débarrassé de sa femme en la dénonçant, c'était pas un très joli monsieur. Il a dû, 10 ans plus tard environ, se démettre de l'étude pour malversation. Ouais, je puis, si vous le désirez, pousser les recherches. Inutilement, cher maître, j'en sais suffisamment. Il nous reste à vous remercier. Rose, croyez-vous que Madame Salirois sera en état de me recevoir? Oh, ça, elle est mieux. Même qu'elle a pu avaler un peu de bouillon. Allez le lui demander. Je suis décidé, Jacqueline, je lâche le paquet. On verra bien. Si ça colle, on est arrivé vers 9h, il en est 18, je ne serai pas mécontent de moi. Pardon. De nous. Alors, commissaire, du nouveau? Oui, oui, madame, et que je ne vais pas tarder à vous communiquer. Vous êtes sur les traces de l'assassin? Mieux que ça. Vous savez qui c'est? Je sais, oui, qui est le coupable. Vous allez l'arrêter? Je ne pense pas, non. Il faut, commissaire, ce monstre! Je ne pense pas que ce sera possible. Il est en fuite? Il est... loin. Je ne vous comprends pas, qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai parlé du coupable, madame, je n'ai pas dit le meurtrier. C'est moi qu'il faut vous arracher, ces réticences! J'ai le droit de savoir qui a tué mon mari! Qui a tué mon mari? Vous, madame. Qu'est-ce que vous dites? Vous êtes fou? Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ce n'est pas... Le brouillard, madame, je vous aide à le dissiper. Oh, ce n'est pas possible. Mon cher amour. Mon grand ami. Non.
Non, c'est impossible, je vous jure. À moins qu'un dédoublement de votre personnalité... Le trou de mémoire dont vous vous plaignez, pouvez-vous le situer à peu près? Oui. Il me semble, depuis mon départ de chez Dreyfond jusqu'à mon arrivée ici. Vous savez que M. Dreyfond a eu un malaise avant votre départ. Mes amis Lafarge me l'ont rappelé. N'était-il pas alors en train de vous tirer de votre état hypnotique? C'est vrai. Vous êtes au courant? Alors? Oui, peut-être. Et s'il n'y était pas parvenu entièrement? Si vous étiez revenu chez vous empreinte encore de votre personnalité d'autrefois? Si celle qui est rentrée ici quelques instants après était en même temps que vous une autre? Une autre? Oui, celle qui venait de se débattre, de s'insurger pendant qu'elle revivait son existence d'autrefois. Celle qui, depuis 15 jours, est si mêlée à votre vie que vous fouillez les archives pour savoir ce qui a été la vérité de son destin, pour confirmer ce que votre inconscient vous révélait, apprendre ce qu'il vous cachait encore. Celle qui peu à peu s'est réinstallée en vous au point d'absorber totalement votre pensée. Oh, quelle folie! Cherchez en vous. Reportez-vous à hier. Tâchez de vous remettre dans l'état second où vous étiez alors. Non, 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 ne me cachez pas vos yeux. Mon regard me fait mal. Ne luttez pas, laissez-vous aller. N'avez-vous pas revécu hier les scènes que Madame Escorbille avait avec son mari à cause de sa maîtresse? N'avez-vous pas acquis la conviction que c'était lui qui vous avait dénoncé pour se débarrasser de vous? Oui, je crois me souvenir. L'horreur. Un effort encore, je vous en supplie. Comprenez-moi, ce serait à moitié endormi, dans un état de demi-inconscience, mais aussi de terrible conscience de votre passé, que vous auriez été déposé devant votre porte par vos amis. Oh, ce trou noir! Mais il faut que vous vous souveniez! Je l'exige! Vous me torturez! Et pour votre bien! Rappelez-vous, je le veux. Vous avez ouvert la porte avec votre clé. Vous êtes entré dans ce bureau. Oui. Oui. J'ai ouvert la porte. Je suis entré dans le bureau. Elle est endormie, Jacqueline, soutiens-la. Parlez, madame. Il le faut. Monsieur Saliroy était assis à sa table. À cette table. Sa table, oui. Il m'a vu. J'étais restée adossée contre la porte. Je le fixais. Il a d'abord ri, ne comprenant pas. Mais qu'est-ce que tu as? Il s'est levé. Il a fait le tour de son bureau. Il s'est appuyé là, oui. Où vous êtes? Et il m'a tiré vers lui comme ça. Oui. En me disant, voyons chérie, c'est moi. On dirait que tu ne me reconnais pas, c'est moi ton mari. Ton mari. Il a répété ce mot et c'est ce mot qui est entré en moi. Mon mari. Mais l'autre. L'immonde. Le traître. Oh, c'est épouvantable. Alors, le coupe-papier était là, sur la pile de feuilles blanches. Oui, à sa place. Je l'ai pris. J'ai hurlé, salaud. Salaud. Il a eu un regard stupéfait. Et j'ai frappé de toute ma force. Il est tombé là. Là! Alors j'ai hurlé au secours. Sa chute, ce corps à mes pieds m'avait réveillé. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai encore l'impression de me réveiller brusquement. Le rappel de cet affreux spectacle vient maintenant aussi de chasser le sortilège. J'ai eu la force de téléphoner à la police et puis... plus rien. Le trou. Je ne me rappelais plus rien. Reposez-vous, calmez-vous. Jacqueline aide Madame Saliroy à s'étendre. Je vous remercie, madame, je sais tout ce qu'il me fallait savoir. Oh, il me semble que ma pauvre tête est libérée. Que je suis sauvée. Vous jouiez un jeu bien dangereux, madame. Sauvée. Mais on va m'arrêter! Non, j'espère que non. Je ferai l'impossible. L'assassin peut n'être pas le coupable. Mais qui serait-ce alors? Pour moi, il y a deux coupables, et vous les connaissez tous deux. Accuseriez-vous Monsieur Dreyfond? C'est sa fuite qui l'accuse. Réfléchissez.
Ce malaise si fugitif qu'il a pris n'est-il pas bien invraisemblable? Vous croiriez que c'est à dessein qu'il ne m'aurait réveillé qu'à demi. N'est-ce pas lui qui vous a entraîné dans cette recherche de votre passé? Réfléchissez. Mais pourquoi? Pourquoi? Ne pouvait-il pas être en silence jaloux du bonheur que vous donniez à Monsieur Saliroy? C'était notre ami. À votre ami, surtout. N'avez-vous jamais deviné en lui un sentiment qu'il s'interdisait d'exprimer? Vous ne répondez pas. Peut-être. Une impression. J'y attachais si peu d'importance. Jusqu'où peuvent conduire la jalousie et la rancune? La rancune? Ne s'est-il pas présenté récemment en même temps que votre mari à l'Académie des sciences morales? Et n'est-ce pas M. Saliroy qui a été élu? Il aurait combiné cette affreuse machination. Plus ou moins consciemment, admettons. Du reste, M. Dreyfond n'est pas le plus coupable. Le vrai coupable, c'est l'autre. Et celui-là est loin, loin dans le temps. C'est celui contre qui la colère a armé votre bras. Escorbi. Mais son crime à lui n'est plus du ressort des hommes. L'assassin n'est pas coupable. Nouvelle radiophonique de Claude Jevel était interprétée par Robert Murzeau dans le rôle du commissaire Fautral et Sylvia Monfort dans le rôle de Fabienne, avec Josette Vardier, Jacqueline Carrel, Becky Rosanès, Lisette Lemaire, Robert Basile, Henri Virlejeu, Albert Gercourt et Jean Negroni. Bruitage Gabriel de Rivage, prise de son Jacques Depardet, opérateur Lise Bloch.